fait un astifito, tout le monde pensait pas que tu allais tirer de suite. On n'a pas fait de descendre ça. Il est debout. Ah, il est couché. Il s'est pas relevé. Plus de balles. Il n'y a plus de balles, quand il faut que j'aille chercher des balles. Je dois être à 1500 pieds. 1500 pieds. On va aller chercher les balles dans l'avion. Je suis arrivé, mais il faut que je remonte. Le plus dur, ça va être de retourner. Mort. Il est haut. Ah, pas pire. C'est beau. Ah, il a sûrement pas une blessure. Il est seul. Yeah! Youhou! On va retourner à l'avion, pas sûr qu'on va décoller. On va pas mettre nos phoques, on va être beurrés de sang, on va se laver dans l'eau là. Et où l'avion? Bon, il nous reste 15 minutes pour une fenêtre de sortie. Si ça se dégage pas, on va pouvoir enlever les sièges dans l'avion puis couffer dans l'avion. On n'a pas de bâche non plus pour se faire un petit campement dehors. Mettons qu'il manque un petit peu de stock de survie. Ouais, là, on soupe. On a dîné au sandwich, puis on soupe au sandwich. Ouais. On va la tête à côté des pitons, parce que ça va marcher encore demain. Pour moi, ça va être tout décyclé. On va arriver, on va vouloir lever, puis on va dropper. Dans la table des pinottes. Terminé. On va dormir pareil dans l'avion. J'ai tombé 2 pouces dans les chandelles. Le ciel est bien étoilé. Je pense qu'il est 3h15 peut-être. 3h30 max. Ben, Steph, le hamster, il vire à 3h du matin, il commence à virer. Ça fait que c'est sûr qu'il nous a tous réveillés, hein. Ben, en fin de compte, on a tenté de recouffer un peu. On a fait du bien, on a redormi. On laisse le temps au soleil de se lever. Il y en a que c'est pas créable qui sont couchés là au côté. Hein? Il y en a que c'est pas créable qui sont couchés là. Je sais pas comment ils vont rentrer dans ce petit trou là. Bon ben on a bien dormi. Il a fait moins 4, moins 5. Ouais. L'avion on l'a décrété pour dormir hier soir. Sorti les bains d'avion, on va y par là. Ça, c'est ses poilettes tous les matins. La sandwich brûle, mon ami. La sandwich brûle. Il faut que je vire ma sandwich. On va manger. Tabarnak! L'œuf a pété. L'œuf qui est au côté du feu. Un coup de carabine. Bon. Il était à moitié cuit, il en manquait un peu. Il était trop proche un petit peu. On fait des essais. Maintenant, des œufs chauffés au feu, des œufs à coque bouillie dans l'ordre normal, des sandwichs, ballonnés fromage moutarde. Bon, on va prendre une gorgée de café. À défaut que du café, là, qu'on n'a pas du vrai café, ou bien se réchauffer. Mmh. Ah.
Hey, ça réchauffe plus que le café même. Puis on n'a pas le fait chauffer. Hey, nos œufs à coque, ça a fait la feuille. C'est Steph qui l'a hérité, moi, ma grosse sandwich, j'en ai eu plein mon casse. Je suis plein jusqu'à soir. Ah oui? Ouais. Bon, ben, tu vas brûler de l'énergie tantôt, mon loup. Toute beauté. Bon, nous voilà de retour. Hier, on a tiré d'en haut là-bas. Ça lui donnait pas de chance. Ça demandait où ça venait, ces tirs-là. Ça venait d'au-dessus de lui. On a marché le bouton là-bas jusqu'à l'avion. C'est ça, à gauche. C'est ça, tu vas descendre le bouton puis monter un peu, puis j'ai lâché le mien là. Tu veux te rendre, si t'es capable de te rendre plus loin en ligne droite, fais ce que tu peux puis tu reviendras m'aider à charger. Tu dois être par là. C'est ça, si tu pognes la trail là, va-t'en, y a une notch là-bas. Ok, c'est break. On va emmener un devant et un derrière, on les a plombés. Il va falloir revenir demain pour les deux autres. On va tellement un peu chargé. On a tout vidé le gaz de d'un flot, tanké. Il est devant en l'air, en esti. Hein? Il est devant en l'air. Je pense qu'on est chargé pas mal dans l'arrière. On va aller masser sur le haut. De vol sans arrêt.
On était loin, à 100 000 à l'heure pour descendre. Ça fait 160 km à l'heure. Peut-être qu'il y a une raille. On a encore la moitié de la bête à aller chercher demain matin. On a encore la même raille. Watch out! Bon, on s'est débité un morceau de faux filet. On a ramassé d'autres morceaux qui traînaient qui, au travers des quartiers, là, qu'on on aurait pu perdre. On se fait de l'oignon. Et après ça, on a des belles patates dans le fourneau qu'il faut que ça brunisse. Oui, patates en jute. Là, c'est un autre départ un matin pour aller chercher deux autres quartiers et le panache. Trois familles, un pas de boxe.